Non, parce que j'ai dit, voilà, j'ai envie de chanter aujourd'hui une chanson de monsieur Jean Ferrat. Il n'y a pas que Ferrat en Jean. Hein. Bon, alors, puisque vous insistez, c'est vraiment parce que je veux que vous chantiez avec moi le refrain de cette chanson. Et je vais la jouer qu'à la guitare. Comme ça, vous allez au moins. Voilà, fallait pas, merci. Au moins, vous allez dire qu'est-ce qui chante mal. Qu'est-ce qui joue mal, surtout. Pas les deux rassemblés, vous êtes un sacré mix. Elle est connue. Ils quittent le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps qu'ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille, le perdreau, et manger la tame de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. En voyant un vol, le temps est arrivé. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette, mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire si ne vous tournez pas la tête. Pourtant, que la montagne est quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, qu'ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire, que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM. Manger du poulet aux hormones. Pourtant, la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle?